Yo les potes Sensio, nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors, si vous réfléchissez bien, dans la dernière vidéo, j'étais full fer, avec du stuff éclaté, j'avais rien. Et là, comment dire qu'il y a eu. Il s'est passé des choses, on va dire. Mais bref, je vous spoil pas. Bon, qu'est-ce qu'il me donne lui? Ça va pas la tête? Bah, merci pour ton livre. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, les gars, et je vais tout vous présenter. Mais d'abord, je vous montrerai tout ce que j'ai fait. Il y a eu beaucoup de choses, mais dans la prochaine vidéo, parce que dans la vidéo juste avant, je sais plus. Ouais, je vous parlais d'un pixel art que je voulais construire. Le pixel art, je l'ai construit, donc je vais vous le montrer. Mais avant, j'aimerais bien que vous me donniez des objets. Je suis quand même votre héros, quoi. Je suis leur héros, ils me donnent pas, même pas d'objets. Eh, donnez-moi des trucs. Eh oh, je suis votre héros. Je suis votre héros. Et je crois qu'ils s'en fichent. Eh oh, je suis ton héros, donne-moi des trucs. Ah ouais, bah barre-toi, vas-y, c'est sympa ça. Bon, ils veulent pas me donner d'objets, c'est pas grave. Du coup, le pixel art, vous le voyez en plus, il est juste là. Je l'ai fini, il n'y a pas de fond, il y a juste le personnage. On va avancer petit à petit pour que vous le voyez. Parce que mon render distance, il est pas foufou. Tan-ta-tan. Tada. Voilà. Marquez en commentaire si vous avez la rêve du perso. Vous le voyez à gauche. Oh, merci mon ref. Vas-y, donne. Ouais, let's go. Tiens, donnez-moi. Ouais. Encore. Oh, tu m'as rien donné, toi. Voilà. Bon, bah, c'est carré, ils m'ont bien ralasse. Vous avez encore des trucs à me donner, les petits potes? Donnez. Moi, je suis là pour ça, hein. Franchement, je prends, c'est gratuit. Bref, trêve de bêtises. Si vous vous demandez pourquoi il me donne du stuff, c'est normal, c'est parce que je suis héros du village et il me donne des trucs. Bon, j'ai plein de golems, faites pas attention, il y en a partout. C'est Golem Land. C'est même pas moi qui les ai fait pousser, les golems. Genre, ici, du coup, on a le petit pixel art. J'essaie de mieux vous le montrer. Voilà, en vrai de vrai, il est cool. Voilà, si vous savez qui c'est, vous êtes chaud. Et prenez votre écran et reculez-le de vos yeux. Plus vous allez reculer, plus ça va être moins flou. Donc voilà. C'est cool. Hop. Je vais vous présenter un petit peu du coup l'extérieur pour le premier épisode. Tout ce qui a changé. Enfin, pas le premier épisode, le troisième du coup. Du coup, je vous ai montré le pixel art. Voilà, il est cool. Je vais avancer un petit peu. Il y en a un deuxième à gauche, mais je vous spoil pas puisque c'est un autre. Et puis en plus, je peux même pas vous montrer sur YouTube. Du coup, voilà, quand on avance, il fait toute la taille jusqu'à là-bas. Sauf que là, après, c'est la main qui va jusqu'à là-bas. Et vu comme ça, tu vois, en fait, il faut poser chaque bloc au bon endroit, c'était grave relou en survie. Mais j'ai réussi, donc c'est carré. Et puis, je vous spoil pas celui qui est derrière moi, je peux même pas vous le montrer. Du coup, je vous ai spoil carrément mon inventaire avec tout ce que j'ai dans mon stuff là. Vous pouvez direct tout savoir, mais c'est pas grave. Prochaine vidéo, je vous montrerai ma base. Donc, prochaine vidéo, je vous montre ma base qui est à l'intérieur là. Et en bas, en fait, j'ai une base souterraine, il y a beaucoup de choses. Prochain épisode, je vous montre aussi mes farms. J'ai une farm là-bas, j'ai une farm ici, j'ai une farm ici, j'ai une farm dans l'end, et j'ai une farm automatique aussi, peut-être dans le nether. Du coup, dans cet épisode, comme je vous l'ai dit, on va visiter juste l'extérieur. Donc, ici, on a ma farm à abeilles, les gars. Donc, il y a du rayon de miel que vous récoltez avec une cisaille, et les fioles de miel que vous récoltez avec des fioles. Tu veux quoi toi? Hop, du coup, voilà ma petite farm. On a des vraies ruches, donc ça c'est des vraies, vous voyez, que vous devez récupérer avec, je sais plus, toucher de soie. Pareil pour les deux là-haut. Et là on a des fosses que vous pouvez construire, je sais plus comment. Mais bref, bon, elles sont remplies les gars, mais j'ai pas besoin de miel, donc je vais pas les récolter. Et en dessous il y a un feu de camp évidemment, parce que sinon elles sont énervées. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a le dortoir version Wish. C'est le dortoir le plus éclaté de France. Mais voilà. Et ici, on a le dortoir version de luxe. Oh, j'ai vraiment des golems de partout. Il y a des golems partout. Donc, voilà le gros dortoir là. Je vais même dormir avec eux. Ils veulent pas, ok. On va attendre qu'il fasse nuit. Pourquoi il y a une poule ici là? Ah, il fait nuit, c'est bon. Et je vais vous montrer aussi mes farms, mais pas les farms automatiques de mobs, etc.
Putain, mais déjà j'ai un livre, en vrai j'en veux pas, je vous le laisse au cadeau. Hop, je regarde bien le sol parce qu'il y a le pixel art à gauche, faut pas que vous le voyez. Hop, on va regarder comme ça. Du coup, on continue. Ici, on a un petit beacon que j'ai mis rapidité 2, voilà. Si j'appuie ici, ça, je vais avoir régénération et rapidité 1, pas rapidité 2. Bon, il y a un villageois qui meurt à gauche, mais je vais pas vous mytho, j'en ai rien à faire. Même tant mieux, il avait même pas de métier, c'était un SDF. Mais du coup, pour avoir tous les enchantements possibles, il faut combien de beacons? Genre, il me faut genre 6 beacons. Mais j'ai pas encore assez de trucs. Ici, ferme à cactus. Je vous ai dit que les fermes, je les montrerai dans l'autre vidéo, mais c'est plutôt les fermes à bombes que je vous montrerai. Ferme à cactus, je vais vous la montrer. Donc, le cactus, il se fait casser par les chaînes. Il tombe ici, dans les machins. Et il descend ici. Et de base, les gars, ici, il y avait deux fours. Ça faisait cuire les cactus. Et ça permettait de me donner de l'XP, sauf qu'en fait ça me donne aucun XP et comme vous voyez je suis niveau 80, j'ai pas besoin d'XP et j'ai une meilleure farm pour ça. Et du coup maintenant je récolte juste les cactus. Et ici on a ma farm à lave infinie. Comme vous le savez, vous pouvez pas faire de source de lave infinie avec 4 laves. Du coup c'est pour ça que en fait il y a de la lave au-dessus des blocs de spéléothème et il coule sur ça et il tombe là et c'est infini. Donc là ils sont déjà remplis, donc ça ne me sert à rien. Mais quand ils sont pas remplis, bah c'est carré. Hop, on va avancer. Ici, on a je sais pas quoi. Hop, ça c'est pour tirer dessus, mais ça me sert à rien. Hop, je regarde bien le sol. Le petit escalier, voilà. J'ai essayé de faire un truc stylé, c'est un peu moche. L'intérieur, on a dit qu'on regarderait plus tard. La farm, enfin mes farms, elles ont pas changé. J'ai juste rajouté une porte ici parce que quand je voulais aller juste dans ma ferme, j'avais la flemme de faire le tour. Il pourrait me donner un cookie lui. Non, je vais pas le manger en fait. C'est rare les cookies. Non, c'est pas rare. Du coup, ma ferme n'a pas changé, clairement. Et c'est cool. Donc voilà quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, ferme pour moi, c'est bien. Allez, continue, mon ref. Donc voilà. Petite base, tranquillou. Il y a plein de farms et plein de trucs dans le Nether, dans l'End, que je vous montrerai aussi. Et puis, je vous expliquerai comment j'ai eu tout mon petit stuff, qui est très très sympathique. Ouais, même très très sympathique. Oh. Vous voyez le bas de mon pixel art. Bah voilà, je pense que c'est tout. Bon, ça c'est censé être une source d'eau infinie, sauf que je l'utilise pas. C'est la source de Wish. Et je vous avais montré, je crois, les métiers de mes PNJ. En gros, c'est juste que j'ai 1 milliard de PNJ bibliothécaires, parce que c'est grâce à eux que j'ai eu tous mes livres enchantés. Et le boucher, il me sert à me vendre mes bouffes de mes animaux, mes baies sucrées. Ici, le fléchier, il me vend la laine. Merci d'ailleurs pour ta laine, mon ref. Et puis lui, il me vend des bâtons, des flèches quand j'ai besoin. Par contre, me volez pas mes trucs, les refs. Bon, donnez-moi des objets là. Je suis votre chef. Bon, bref. J'espère que vous aura plu, les gars. Vraiment. Bon, j'aurais peut-être dû vous faire des vidéos Minecraft plus tôt parce que là. Je suis carrément en netherite alors que j'étais en fer dans l'épisode précédent. Mais bref, c'est pas grave. J'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Pensez au code créateur NSU dans la boutique Fortnite, même si c'est pas une vidéo Fortnite. Ciao!